Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux articles que j'ai pris, donc que j'ai achetés. Et les deux articles, ça va être tout simplement une carte mémoire de 32 Go, 14,99 €. La voici. Alors, 14,99 €, bien sûr, c'est une carte mémoire qui est offerte à quelqu'un, car cette personne, je lui ai promis un CD et un DVD, quoi. Et en fin de compte, comme c'est très très lourd pour enregistrer et emmagasiner tout le système, donc j'offre la carte mémoire à la personne qui est à ma cliente. Voilà, cette petite carte mémoire sera offerte. Ça m'a coûté peut-être 14 euros, mais au moins c'est le respect. Donc, secondo, me suis acheté bien sûr le CD Énergie 300% Hit. Donc, 300% Hit de 2007. Hein. Vous voyez, bien sûr, avec toujours les mêmes artistes, un peu Jules, etc. Donc, et de temps en temps, il y a des morceaux, bien sûr, que j'ai un tout petit peu, mais vraiment minime, parce que là, ça va un peu mieux. Donc, voilà les deux articles que j'ai achetés. Donc, tous les deux, je les ai achetés avec Foufour, donc à Carrefour, pour ceux qui comprennent bien. Et bien sûr, et ben pour la personne aussi qui a joué le jeu, qui a deviné bien sûr que c'était Boubou, donc qui essaye, se reconnaîtra parce que je serai. Hein, donc, comme tu es un peu loin, donc je ne sais pas comment on va faire parce que soit. Alors, je vais poser une question. Est-ce que tu veux, parce que venir chez moi, ça va être un peu long, hein, donc je joue. Ou sinon, je t'offre la casquette de DJ Tony Mantois, qui n'existe plus, mais il y aura bientôt d'autres casquettes qui seront faites. Et ça, pas des prix très très chers. J'étais en train de chercher un bon fournisseur parce que. Le fournisseur que j'avais, le fournisseur où je fais, c'est pour mes cartes. Donc c'est Vistaprint, vous voyez. Donc, pardon. Donc je fais plus mes cartes chez eux parce que c'est vraiment, vraiment ça vaut le coup chez eux. Et donc je vais aller chez un autre fournisseur pour faire justement les vêtements. Donc comme j'envisage faire. De vêtements, on va pas mettre grand chose écrire dessus, hein, c'est juste le nécessaire. D'accord. Hop. Donc voilà, il y aura. Voilà, désolé. Donc il y aura le nécessaire. Donc la personne qui se manifeste, qui manifeste. Et je vais lui offrir quand même soit une casquette, parce que venir jusqu'à Mantes-la-Jolie pour faire une vidéo avec moi. Ça va être un peu difficile. C'est dommage, c'est que je ne sais pas relier deux vidéos, deux lives en même temps. Donc, c'est dommage. Sinon, je l'aurais fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, voilà. Dans ce domaine, donc voici. Voilà. Donc, pour les CD. Et bien sûr, pour la carte mémoire. D'accord? Donc, voilà. Ce que je voulais vous faire montrer. Et bientôt il y aura un jeu, mais je signale aux personnes. Je signalerai aux personnes, tout simplement de la région parisienne, qui s'il y aura un jeu, je referai un jeu prochaine fois. Un autre jeu, mais cette fois-ci, j'envisagerai une bonne chose, parce qu'il y a un internaute qui m'a donné un bon conseil, donc pourquoi pas, je lui félicite. Un jeu où on gagne. Des casquettes, de temps en temps quelques petits t-shirts, des choses comme ça.
Donc c'est un petit truc sympa entre pour essayer de vous faire comprendre aux gens que faut arrêter de me mettre moins que rien, qu'en fin de compte, quand je dis mitard, je les considère comme des prisonniers, parce que c'est prisonnier. En gros, quand je dis prisonnier, c'est prisonnier du web 24 à 24, en disant des conneries et en savoir qu'ils savent tout écrire. Et en fin de compte, ils ne savent pas ce que ça veut dire certains trucs. Hein, parce que mitard comme mot, c'est un mot assez utilisé, hein, à la base dans un domaine juridique. Donc, pas juridique comme vous le pensez. Dans le domaine, plutôt la police, envoie, je t'envoie au mitard, c'est bon, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est tout simplement ce domaine-là. C'est beaucoup servi à un certain moment. Après, bon, bien sûr, t'as le bahut aussi, qui est un autre mot, qu'on utilise aussi, et des choses comme ça. Donc vous allez voir, bientôt je vais faire un jeu. Soit un jeu avec des. Pas des questions, mais avec. Avec une question, mais qui va être, excuse-moi, avec une question qui va être tout simplement reliée à quelque chose de fait réel ou des choses comme ça. Donc on verra comment je vais faire. Là, j'ai fait l'histoire des boubous, donc j'ai une bonne réponse et il faut qu'il me contacte le plus rapidement possible, mais surtout pas par téléphone. Voilà. Donc s'il me comprend, qu'il me contacte et qu'il me contacte dessus. Voilà, et que tu sois honnête envers lui, parce que comme ça serait. Même que c'est dommage, hein, même si c'est loin, moi, je vais essayer de faire, hein, je vais mettre un peu dessous, et c'est pas grave, je commanderai, je l'envoie par courrier, c'est tout, hein, par la poste, et c'est pas grave, ok? Allez, merci, et surtout, bonne continuation, et vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous allez avoir des choses. Avant que je vous quitte! Parce que j'ai failli oublier, avant que je vous quitte, je mets des musiques en ce moment et j'ai une vidéo que j'ai bien spécifiée que ça m'a mis un peu en colère parce que les gens ils écrivent n'importe quoi, ça m'a mis en colère, c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo mitard. Je mets de temps en temps un peu de musique pour changer un peu, pour essayer de varier un peu le système, mais le problème c'est que la vidéo elle a été bloquée. Ça c'est les droits d'auteur, donc c'est normal. Donc je ferai une autre vidéo, on va voir si elle va passer, si tout, et voilà. Voilà. Et désolé, merci et bonne continuation. Bye bye.